Mr. Couillard, your party is leading in the polls among young voters. Ah ben mon Dieu. Ça va bien? Les objectifs de votre tournée, quand même, ici dans Côte-du-Sud, aujourd'hui, M. Couillard, précisément. Bien appuyé, Simon. Simon, d'abord et avant tout. On est en campagne électorale après tout. Et puis également, j'en ai profité hier pour aller à Rivière-du-Loup avec Jean Damour. Et puis, on a un calendrier, vous avez vu, on fait des annonces chaque jour, hein, des engagements chaque jour. Et puis ce matin, c'était l'éducation. Et moi, j'aime ça faire des engagements en région, tout le Québec. Puis, hier, c'était Rivière-du-Loup ce matin aussi. Puis demain, je pense qu'on va être ailleurs pour un autre engagement sur un autre sujet. Parce que là, on a fait 18 engagements sur l'éducation. On va changer de thème. Ben, je pense que les deux, nous, on veut garder notre comté. On a bien servi ce comté-là en passant. Là. Autant pour l'industrie, l'économie. Regardez l'économie, comment ça va bien. Également la santé. On a fait beaucoup d'efforts, la Pocatière, l'hôpital de Montmagny. Et on veut dire à la population, on vous a bien servi. Là. On veut continuer avec Norbert, puis bientôt avec Simon. Vous avez l'impression que c'est ça que les gens au Kamouraska, si on regarde pour la partie de Côte-du-Sud, qui ont été bien servis avec au niveau de la santé? Écoutez, il y a quand même pas mal de grogne, mais ça, on fait d'un comité de citoyens, de professionnels de la santé, qui revendiquent, puis qui critiquent beaucoup le fait qu'il y ait de la centralisation vers Rimouski qui a été faite. Mais maintenant, regardons pour les patients, qu'est-ce qui est arrivé. Il y a, dans le Bas-Saint-Laurent, il y a 20 000 personnes qui ont trouvé un médecin de famille de plus, qui n'avaient pas avant. Il y a un CHSLD en construction, il y a l'hémodialyse à Rivière-du-Loup, il y a des investissements importants. Et les listes d'attente sont les plus basses au Québec dans le Bas-Saint-Laurent pour les urgences et puis l'attente pour les CHSLD. Ça ne s'est pas arrivé tout seul, ça. C'est arrivé parce qu'on s'en est occupé. Deuxièmement, quand on a fait l'entente avec les médecins spécialistes dont tout le monde a parlé, là, on ne leur a pas donné d'argent neuf, mais ils nous ont donné des services. C'est-à-dire qu'ils nous ont garanti qu'ils allaient couvrir les hôpitaux de région puis ont mis la Pocatière dans la liste. Ça faisait partie du deal. Ça faisait partie du deal, parce que sinon, on n'aurait pas accepté. On leur a dit, écoutez, on veut bien étaler ce qu'on vous doit. On leur a pas donné rien de plus. On a étalé ce qu'on leur devait. Et vous allez nous garantir que cet été, puis les autres étés, il n'y aura pas d'hôpitaux là, qui vont être découverts, qui n'auront pas de spécialistes. On a dit, OK, on s'engage. Puis je dois dire qu'ils n'ont plus leur engagement. Puis là, en plus, on a pu en recruter deux. Bien, le troisième lien, nous, on a bien dit notre but. On veut le faire. Moi, je vois bien qu'il y a beaucoup d'arguments qui s'accumulent pour aller vers l'Est. Le comité, là, le bureau de projet, a déjà rendu les premiers résultats. Il y a d'autres résultats qui vont parvenir d'ici 2020. Où il a identifié, je crois, 5 corridors possibles. Sur les 5, il y en a 4 qui sont à l'est du pont. Mm-hmm. Il y en a un qui est à l'ouest du pont. La prochaine étape, c'est qu'ils vont dire, OK, on enlève 3, on en garde 3, on donne ça au gouvernement. Le gouvernement choisit celui sur lequel il décide. Là, on embarque après sur la réalisation. Mais c'est un énorme projet, ça. C'est des milliards de dollars. Si on continue dans les transports, on parle beaucoup de transports en commun, collectifs dans les grandes villes. Pour les régions comme ici, à quoi ça pourrait ressembler dans le futur? Il y a un gros besoin de développer le transport intra-régional.
comme chez nous, à Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Lac-Saint-Jean, c'est la même chose. Nous, on a réussi à sauver Intercar, qui avait un service d'autobus, mais c'est pas partout possible. Alors, souvent, les gens se partent des navettes, ou les gens se partent des petites entreprises pour transporter le monde en deux municipalités. Puis, il y a même des gens qui disaient qu'on devrait subventionner les entreprises, même comme Uber, qui serviraient à transporter le monde à l'intérieur de la région. Quand tu arrives, disons, à la ville principale, disons que tu arrives à Rimouski, par l'autobus, mais là, il faut que tu ailles, toi, là, en haut, là, dans les terres. Mais là, ce bout-là pourrait être fait par ce genre d'entreprise-là. Il y a des besoins d'employés spécialisés, tu sais, par exemple, des électromécaniciens, des choses comme ça. Et de plus en plus, la nouveauté, c'est que les employeurs signalent des déficits d'employés non spécialisés, des manœuvres d'usine. Alors, il faut d'abord accepter que c'est le problème principal. Le nouveau, il dit que c'est pas vrai qu'il n'y en a pas de pénurie de main-d'œuvre. Je ne sais pas sur quelle planète il dit, là, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il dit que le vrai problème, c'est qu'on n'a pas assez d'emplois payés à 25-30$. Allez demander à un propriétaire de PME ici s'il veut augmenter ses employés d'une shot à 25-30$ puis s'il va être encore en affaires après. C'est pas réaliste. Les salaires sont quand même bons ici dans les entreprises, ils augmentent également récemment. Mais il faut d'abord accepter qu'il y a un problème. Une fois qu'on a accepté le problème, il y a en fait quatre solutions. Les trois premières, il faut continuer ce qu'on fait pour la formation des jeunes, la participation au marché du travail de tout le monde, incluant les gens qui veulent travailler plus longtemps dans la vie. Et puis l'automatisation, parce qu'avec l'automatisation, tu peux produire autant ou même plus avec moins de monde. Puis là, tu ne peux pas passer à côté des travailleurs qui viennent d'ailleurs. Impossible. Le Québec ne passera pas à travers. Savez-vous que depuis 2006, 50% des emplois qui ont été créés au Québec ont été occupés par des immigrants. 50%. Et ça, pourquoi? Parce que nous, on n'a pas une démographie très forte. Donc, si on n'a pas cette population qui nous aide à faire grandir la population en âge de travailler, on aura une grosse misère économique.